Les amis, on se retrouve. Donc, j'ai acheté mon camion. J'ai plus de 10 000 d'XP. Bah oui, j'ai triché, d'accord. Et oui, mais bon. C'était pour faire voir. C'était pour voir surtout l'essieu. Comment le relever. Donc, c'est moi, j'ai réussi à tout faire. Donc, maintenant, j'ai mon propre camion. Hein. J'ai mon propre camion. Excusez-moi. Et joli, hein. Oula, pardon. Hop là, entrée, voilà. Maintenant on va pouvoir vérifier tout le magasin de pièces, tout ce qu'il y a, etc. Donc déjà en cabine on a un super space, voilà, un super IO. Moi je vais prendre le super space, parce que je préfère. Ah voilà! Voilà! Donc on a celui-là. Relevable. 4 relevables. D'accord. Y a quoi que je change entre celui-là et celui-là? Bon bref, alors prends celui-là, allez, voilà, relevable, voilà, c'est ce que je voulais. On va tester ça de suite. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, au standard, oui, bon, il n'y a pas d'autre, hein. La peinture sur son bras là. Bon, après, on va mettre bleu. Allez, pour faire un joli. Parce que c'est Titi du Eurotruck. Et je sais pas si ça le fait sur tout le camion. C'est pour ça que je voudrais essayer sur un de mes Volvo pour voir ce que ça donne, mais bon. Ça sert à rien de customiser un bloc. Voilà! On a notre essieu relevable. Alors voyons ce que ça donne. Si j'appuie sur le bouton. Wouah! Génial! Hop, ça roule. D'accord! Ah, c'est génial! Donc là, si j'appuie sur le bouton, ça baisse, hein. Et là, je relève. C'est ça? Mais c'est génial! Mais c'est génial! Est-ce que ça marque ou quoi? C'est complètement nouveau pour moi, hein. Voilà, je vous le dis franchement, c'est complètement nouveau. Et je peux vous dire que c'est une bonne découverte. Donc, ben voilà, hein. Donc on va essayer avec une remorque pour ce que ça donne. Putain. Donc ça doit faire des... C'est bizarre parce qu'en fait... le moteur en fait il est trop petit, il est tout petit de base, c'est bizarre. Hop là, hop là.
Alors je trouve ça mais génial. Maintenant on va aller acheter un man. Dites, allez. Chicha, on va aller acheter un man. Et on va voir ce que ça donne. Ils sont où le magasin man? Ils sont là-bas. Alors on voit que ça s'achetait là. J'ai vu que ça chassait derrière. En fait, je sais pas si ça fait Ring of Death, mais apparemment ça doit le faire sur tous les camions. Normalement, je dis bien normalement, je ne suis pas sûr. Ah voilà. Entrée. Voilà. On est au magasin. Au magasin. Personnaliser la configuration. Alors est-ce qu'on a les essieux relevables aussi? Oui. Alors, on a même les essieux relevables. Donc en fait c'est sur tous les camions. Mais c'est génial ça, c'est génial. Oh là 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 là. Donc en fait par exemple je peux le mettre sur mon Volvo que je préfère. Ah non attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini un truc. Je vais regarder en fait 4-2. Bon, ça c'est pour la direction, mais c'est la direction centrale. Bah, c'est surtout pour l'arrière, voilà. Ah ouais, ça je mettrai lorsque je vais un combat exceptionnel. Ah ouais, regardez. Si je mets ceci, il y a juste la roue qui s'enlève en fait. C'est ça, non? Ouais, bon, le châssis est un peu raccourci aussi. Ouais, mais bon, ça change un petit peu, mais sinon, c'est relevable quand même aussi. Tout est relevable en fait. Et c'est ça que j'adore, quand même, ce camion, dans ce jeu. Parce que maintenant on peut relever les roues et ça c'est bien. Voilà, attendez, si je vais dans les touches, on va les vérifier les touches maintenant. Non, pas sur le point mort, ça sera que dalle. Oui, donc c'est baisser les yeux, oui, voilà. Ah, rotation de la caméra active. D'accord, attendez. On va mettre ça pour ça. Et ça, on va le mettre là-haut. Et ça, je vais mettre là. Qu'est-ce que c'est ça? Et deux nouveaux boutons que je ne connais pas. Rotation de la caméra active. Oh là là! D'accord. Wouh. Mais c'est super pratique ça. Et après là si je peux désactiver tout à fait. Alors par exemple pendant les virages. Attendez, mais on va faire un test. Et ça c'est quoi? D'accord. Ah mais ça c'est génial ça. Alors ça. Je sens que ça va être très utile. Marche arrière. Ah ouais d'accord, en fait avec un pièce j'ai configuré les boutons et en fait dès qu'on tourne le volant on trouve ça, voilà, c'est génial. Ah ça c'est pratique de regarder ça. Par exemple ça là aussi. Ah c'est pour le rétro. Je l'ai désactivé.
Waouh! Oh, c'est génial! D'accord! Eh bien, on en a... je pense qu'on en a assez vu avec cette nouvelle mage, la bêta, donc elle n'est pas sortie sur multi, malheureusement. Elle sortira bien, bien, bien plus tard. Pour l'instant, donc moi, perso, je vais me remettre, je vais effacer cette sauvegarde et je vais me remettre à 1.12 pour le multi. Je suis... j'ai pas le choix. Et qu'elle sortira pour le solo, ben, je le mettrai pour le solo. Et qu'elle sortira pour le multi, ben, je le mettrai sur le multi, il n'y a pas de soucis. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo test bêta. Après 14 sur votre Explorator 2. J'espère que ça vous aura plu. Que ça, c'est bien marrant. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.